le Sénégal. Hein? Allons pas en masse. Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de bénéficier du talent de nos fils qui sont dans des grands championnats un peu partout dans le monde, particulièrement en Europe. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le président Raoua, on ne le présente plus. Il fait partie de ces anciens qui ont beaucoup apporté au football africain. Vous parlez de cette loi Raoua, mais il y a d'autres réformes qu'il a initiées. Quand au niveau de la CAF comme au niveau de la FIFA, il fait partie des hommes en qui j'ai beaucoup de respect. Il fait partie de mes conseillers et donc je peux vous dire que c'est mon grand frère. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je lui dédie ce trophée, ce premier trophée continental du football sénégalais. Mohamed, je t'embrasse et Mohamed Raoua. Moi je l'appelle Mohamed, c'est mon grand frère et l'un des plus grands présidents de fédération de l'Algérie et surtout un des plus grands dirigeants africains de tous les temps. Voilà, merci mon frère. Voilà. قانون البهاماس يعد من أهم القوانين التي ساعدت على تطوير الكرة القدم الإفريقية والعالمية على وجه التحديد. هل تعتقد أن الاتحاد الإفريقي عندما كنت أنت رئيسا ساهم في إنجاح هذا القانون بما فيهم محمد الحاج راوراوا رئيس الاتحاد الجزائري الذي يعد صاحب هذه الفكرة؟ oui. Lui-même, tout ce qu'il a pu faire, c'est parce qu'il faisait bien au niveau. Il a été soutenu par l'Algérie. Si l'Algérie n'avait pas soutenu, quelle que soit sa valeur, il ne pouvait pas réussir à faire. Donc, mais je sais. Non, c'est parce qu'il travaillait très bien. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Et lui aussi m'a beaucoup aidé. À partir de ce moment-là, je suis obligé de reconnaître ce que Mohamed Raoua a fait pour le football algérien, africain. Ah, je ne vais pas aller au-delà. Je ne peux pas parler du monde ou de ceci. Mais l'Algérie et la Confédération africaine de football, Raoua a marqué de ses empreintes la gestion de ces deux institutions. Toute cette loi. Oui, oui. Toute l'Afrique. Oui. Oui. Toute l'Afrique a bénéficié avec cette loi. Hier, le Sénégal, 50% de l'équipe sont de la loi de Bahamas. Bien sûr. Bien sûr. Je vous dis que ce qu'il a fait, c'est à l'avantage du continent africain. Et ils n'ont pas gagné la CAN, ça ne veut rien dire. Mais les autres qui ont gagné la CAN se sont reportés à cette coupe-là, à cette décision que lui-même Raoua a contribué à prendre avec nous tous. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire en sorte que le football africain aille toujours de l'avant. Et ça, nous sommes contents. Personnellement, moi, président de la CAF, je sais ce qu'il fait. Il y a des choses, des fois, qui se traitent en privé. Mais en dehors des réunions que nous avions, il y a des choses qu'il venait me conseiller aussi, certaines choses. Oui, Hajj Raoua, il venait me conseiller certaines choses. Et c'est pour ça que notre amitié, non seulement a duré, mais durera encore aussi longtemps que je serai en vie. Jusqu'à maintenant. Au-delà de... Ça finira avec ma vie, c'est tout. C'est bien.